Voilà, pour terminer, nous allons voir une cuisson pâtissière en se servant du livre de recettes, avec déjà les recettes dans l'appareil. Donc pour faire ça, rien de plus simple, je vais donc aller sur l'item des recettes. Comme on a vu, c'est une cuisson de moelleux au chocolat, donc je vais dans les desserts. Je vais retrouver déjà des éléments déjà intégrés au produit. Donc j'ai simplement à aller chercher l'élément qui me convient, en l'occurrence les moelleux au chocolat, que je vais trouver ici. En cliquant dessus, je peux m'apercevoir qu'il m'indique deux phases. Donc en cliquant dessus, il me propose de même pouvoir les prévisualiser. Donc on a vu qu'on était en préchauffage et une cuisson à 220 degrés pendant 2 minutes sur la deuxième phase. Donc pour faire ça, si ça me convient, je vais simplement appuyer sur Start. L'appareil va monter en préchauffage. Le temps que je remplisse mes moules, dès que ça sera terminé, il va m'appeler. Je pourrai commencer à cuire mes pâtisseries. Donc là, je n'ai plus qu'à remplir mes moules vendus par Debuyer, qui va me permettre de pouvoir aussi avoir une régularité dans mes dosages. Donc là, je peux amener mes moelleux au chocolat, les intégrer et refermer le four. Et à partir de ce moment-là, nos deux phases vont s'enclencher les unes après les autres. Voilà. Donc là, nous arrivons au terme de notre cuisson des moelleux. Petit détail, pour certaines pâtisseries, on va avoir besoin de remettre un peu de brumisation en appuyant sur ce bouton. Donc là, je vais sortir mes moelleux au chocolat. On peut voir que la cuisson en 7 minutes. Donc là, si je ne veux pas me brûler, j'attends quelques secondes et je peux les démouler. Donc vous avez la possibilité, si le programme, vous voulez rajouter une phase ou vous voulez modifier un des paramètres, vous pouvez toujours, en allant là, faire un élément, rajouter une phase et modifier un élément, que ce soit un élément temps, un élément aura ou un élément température. Et de le mémoriser. Et maintenant, on n'a plus deux phases, nous en avons trois.